Bonjour, je m'appelle Eli. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous créez un site de réservation, ou plutôt un calendrier de réservation sur votre site internet en utilisant l'outil Sheeta de Bitdrop. Ok, donc pour ce faire, nous allons aller là. Voilà. Vous allez sur réservation. Donc, il y a l'onglet réservation qui est là. On clique dessus et la page de réservation va s'ouvrir. À partir de là, on a la possibilité de créer un nouveau calendrier. Donc pour cette présentation, on avait déjà créé un calendrier, mais je peux vous montrer assez rapidement toutes les possibilités que vous avez. Donc vous pouvez créer un calendrier pour faire de la consultation. Donc vous avez tout ça là, d'accord? Toutes ces possibilités que vous soyez, du moment où vous êtes dans un domaine où vous avez besoin de que vos clients prennent rendez-vous avant de vous rencontrer, vous pouvez créer un calendrier pour ça. Si par exemple vous organisez un événement, un webinaire ou autre, une rencontre ou une sortie, vous faites de la randonnée, par exemple, vous avez besoin que les gens s'enregistrent, vous avez possibilité de créer un calendrier pour ça. Et si vous organisez des cours aussi, vous avez la possibilité de créer un calendrier de manière à ce que les gens s'enregistrent pour le cours, pour que vous sachiez combien d'élèves, combien de personnes seront sur ces cours. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez faire payer les gens avant de s'enregistrer sur votre calendrier. Donc, pour avoir plus d'informations sur cela, je vous invite à vous inscrire à notre cours, à notre formation gratuite sur le sujet qui vous montre étape par étape comment est-ce que vous pouvez mettre ces choses en place. Donc, pour le coup, ici, je vais juste vous montrer comment est-ce que vous intégrez cela une fois que le calendrier est créé, comment est-ce que vous l'intégrez sur votre site web. Donc, il y a différentes façons de l'intégrer sur votre site web. Soit vous redirigez les gens directement sur la page du calendrier tel que c'est créé, par exemple pour celui-ci. Hein. Si je sors du mode, je vais sortir du mode plein écran de manière à ce que pour que vous puissiez regarder, je vais quitter là et je viens là, par exemple, j'ouvre une autre page et je colle ça là. Et vous allez voir le calendrier. Donc le calendrier, c'est ça. Voici le calendrier. Les gens peuvent s'inscrire dessus. Donc vous pouvez rediriger via un bouton ou directement sur cette page de manière à ce que les gens puissent s'inscrire. L'autre chose que vous pouvez faire, et c'est ce que nous allons voir dans cette présentation, et je vais retourner en mode plein écran parce que c'est plus sympathique. Ce qu'on peut faire, par exemple, je vais dupliquer cette page-là parce que on l'avait déjà créée, ça serait bête de tout recommencer. Et je vais lui donner un autre nom. Et je vais lui donner un autre nom. On va l'appeler réservation. D'accord? Comme ça, réservation. Réservation de ce genre, réservation, réservation et réservation, réservation. Ok, on va dessus, réservation, réservation aussi. Pour le titre, on va mettre réservation, comme ça, par exemple. Ok, on descend et on la résiste. Comme ça, il y aura une différence entre toutes nos pages. On va dessus, on va les regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va supprimer les pages, les bannières qui nous sont inutiles. D'accord? Et comme ça, on pourra rajouter notre réservation dessus. On va supprimer ces bannières, par exemple. Cette bannière, on va la supprimer. Ok, super. On la supprime. Ok. Ça aussi, si on veut, on va la supprimer celle-là aussi. Ok, supprimer. On va supprimer tous les tests. Supprimer, 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 supprimer. On supprime tout. On agrandit celui-là. On descend celui-là et on va aller prendre notre outil de réservation. On regarde dans les éléments et il y a réservation là. On va le ramener. Il est là. Consultation. Donc c'est le seul qu'on a. Info, tout, oui. Et enregistrer. Donc du coup, on a notre calendrier qui est là. D'accord? Ce qu'on peut faire d'autre, au lieu que ça s'affiche comme cela en plein écran, on peut lui dire non, on ne veut pas que ça s'affiche en plein écran et on va enlever la pleine largeur là et comme ça on pourra lui donner la forme que nous voulons. Je mets ça sur le côté et je mets ça là.
Je ferme celui-là. Et on va augmenter un peu plus la taille de la bannière, la hauteur de la bannière. Alors, la hauteur, ok. Donc, ça doit être un peu plus sympa maintenant. On met ça ici. On ferme ça. Ok. On descend un peu plus. Et je pense que ça doit être sympa. On va l'élargir un peu plus. Ok. Et on descend celui-là. D'accord. Et je pense que c'est pas mal comme calendrier intégré sur notre site. Ok. Donc là, c'est bon. Et c'est pas mal. On peut enregistrer ça. On peut enregistrer ça. Et par exemple, si quelqu'un veut s'enregistrer sur notre calendrier, on peut renvoyer la personne sur ce calendrier via un bouton, par exemple. Donc ici, si on retourne sur l'autre page où on avait déjà mis un bouton lors d'une précédente présentation, on va regarder. Ça s'ouvre. Et par exemple, au lieu de mettre contactez-nous, on va mettre par exemple là réserver réserver une place par exemple là. Réserver une place, on va mettre l'accent comme ça il sera content, réserver une place et c'est bon, on va aller lier ce bouton à notre nouvelle page réservation qu'on a créée. D'accord? Et c'est bon, c'est nickel. Ça s'ouvre dans le même onglet. Et on enregistre. C'est bon, c'est fermé. D'accord? On retourne sur la page, on retourne. Et maintenant, on ferme ça, on retourne. Et on va voir si c'est bien pris en compte ou pas. Donc du coup, on va voir ce que ça donne en vrai. Donc là, il a pris en compte comme quoi c'est réservé une place. On clique dessus et ça nous redirige sur notre page de réservation où les gens peuvent justement réserver une date. D'accord? Ils pourront réserver la date qui les intéresse. Choisir les horaires, rentrer leur nom et une fois que c'est fait, nous on recevra un mail comme quoi quelqu'un a pris rendez-vous sur notre site. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces fonctionnalités, je vous invite à vous inscrire à notre formation gratuite qui est sur le sujet pour vous aider à développer votre activité sur Internet. Alors si vous aimez cette vidéo, aimez-la, partagez-la et on se retrouve dans la formation gratuite.